Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne YouTube sur le road trip, les voyages de pêche, surtout la pêche en fait, uniquement la pêche. Bref, ma chaîne YouTube, c'est un ramassis de toutes sortes d'aventures qui entourent les sessions de pêche que je fais à l'entour du Québec, dans les spots que je connais, que vous connaissez peut-être aussi, à l'entour de Québec, dans la Gaspésie. Parfois des spots secrets que personne ne connaît, que les gens viennent me montrer, puis ils me disent « Tu répéteras pas ça à personne, hein? Tu répéteras pas ça à personne. » Là, je leur dis « Oui, je répéterai pas ça à personne. » Je vais les montrer sur la caméra, mais je donnerai pas l'emplacement du spot si il y a bien que c'est très cool, très beau et très productif en matière de poisson. Fait que oui, la session de pêche 2021, dans mon cas, vient de débuter. Les vacances arrivent bientôt, je vais avoir 2 semaines pour profiter au maximum de ce que la nature à Québec peut nous donner en ces temps de 2021. Donc en attendant que tous les spots se mettent à rouvrir, que toutes les espèces puissent devenir accessibles à pêcher, ben là j'ai décidé de commencer la saison mollo. Hein? Je suis allé sur le bord du fleuve. Quelque part avant Sainte-Anne-de-Beaupré pour essayer de pogner quelque chose qui ressemble à des sturgeons. Là, je sais pas, ça peut aller de cette grandeur-là à cette grandeur-là. Donc c'est ça, je suis allé prendre ça mollo sur le bord du fleuve vers Château-Richer dans un spot où il y a souvent de l'esturgeon qui se promène là. C'est un spot très très contingenté par les pêcheurs. Il y a beaucoup de gens qui vont là. Il y a 2-3 ans, il y avait... c'était quand même assez peu fréquenté. On avait quand même beaucoup de place. On était toujours 3-4 sur ce spot-là. Mais là, à cette heure, on est 10-15 pendant toute la montée de la marée puis toute la descente. Faut que tu arrives vraiment tôt. Si tu as une petite craque où ce que tu peux te placer, tu peux y aller, mais ça te prend vraiment du stock adapté pour le fleuve. Tu peux pas pêcher avec une troll, tu vas t'en mêler dans toutes les lignes qui sont à côté de toi. Tu vas te faire haïr vraiment par les gens qui sont là. Fait que pour commencer, moi ça me tentait d'aller voir s'il y avait de l'esturgeon à cette place-là. Donc j'ai apporté mon équipement lourd, hein, une canne qui peut tirer à peu près jusqu'à bon, lourd, c'est-tu lourd? Bon, c'est jusqu'à 25 livres. 25 livres test. Puis avec un poids de 4 onces pour être sûr que mon appât dans l'eau ne décolle pas et sacque son camp à l'autre bout du fleuve. Faut quand même que ça reste en place, cette petite bête-là. On va en avoir un échantillon. Voyons. Ici, ouais, je pense que j'ai un échantillon. J'en ai même 6. Bon, ça ressemble à ça. Bon, ben, tu vois ça ici? Ça, c'est un poids de 4 onces. C'est quand même très imposant. Ça coule extrêmement vite. Quand tu as beaucoup de courant dans le fleuve, c'est ça que ça te prend. Si tu vas dans le fleuve, tu as la bonne canne, mais tu as 3 onces et moins, c'est très risqué que ta canne, je veux dire que ton appât dérive à l'autre bout. Si tu n'as pas de courant dans le spot de fleuve où tu es, il n'y a pas de problème avec ça. Si tu connais le fond aussi, si tu sais qu'il y a beaucoup d'algues et que ton appât se promène, tu vas sacrer tout le long de ta saison de pêche. Fait que ceci dit, je vais remettre ça dans sa boîte. Faut pas que j'en prenne, ça coûte assez cher ces affaires-là. Ceci dit, dans ce spot-là, dans toute ma vie, je n'avais jamais pêché d'esturgeon. Fait qu'au début, je me suis installé. Écoute, il y avait une dizaine de personnes, il y avait quand même beaucoup d'animation dans ce coin-là. C'est une descente à bateau. C'est une descente à bateau. Puis, il y a des gens qui parquent leur char aussi pour aller faire du bateau. Il y avait beaucoup de vagues, il y avait beaucoup de vent. Puis, il y en a quand même un qui s'est essayé. Puis, il s'est essayé proche de nos cannes. Tu sais, c'était pas fin. Il fait beaucoup de vibrations au-dessus de l'eau, tu sais. Des fois, le poisson, ça peut le perturber, peut sacrer son casque, c'était pas fin. Puis il se l'est fait dire assez vite, puis il est rentré aussi assez vite, parce que comme tu peux voir. Mettons que ça faisait notre affaire. Donc c'est ça, aussitôt que je me suis mis à tirer un peu fort, il s'est mis à se réveiller puis il s'est mis à partir. J'en ai eu un sur ma ligne une fois, mais je ne savais pas comment pêcher ça, comment bien maîtriser ma canne pour le ramener au bord sans tout me faire péter à la fin. Ça tirait, ça avait pas de bon sens, c'était l'année passée. La particularité avec l'esturgeon, il y a beaucoup de gens qui disent ça et ça donne que ça s'est avéré vrai cette journée-là. L'esturgeon, quand il mord, lui, il sniffe le fond. T'sais, il croque des coquillages, il mange, c'est un poisson de fond quand même si t'as requin d'eau douce. Au début, ça colle le fond. T'sais, quand tu
tires ta ligne pour voir si t'es pas pogné dans une roche, ben on dirait que t'es pogné dans une roche. Tu sais, tu tires sur ta ligne, je suis pogné, tu sais, je suis pris. C'est ça qui s'est passé en fait. J'ai pris ma canne, j'ai tiré, puis là j'ai fait, ah, il me semble que je suis capable de tirer sur la corde, il me semble que je traîne comme une grosse branche. Mais là, à un moment donné, ça se met à se débattre, ça, au bout, ça se met à partir. L'important, quand tu pêches dans le fleuve puis que tu veux pogner de l'esturgeon, tant qu'à moi, là, le but c'est de le laisser se fatiguer. Faut que tu combattes le poisson, faut pas que tu le ramènes en le prenant par le bras, là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de le ramener en douceur, mais faut quand même pas que tu perdes ton stock, faut pas que tu y déchires aussi là où l'hameçon a pris. T'sais, le but, c'est pas de le blesser dans les cas de hors saison si tu le ramènes pas à la maison. Mais là, ce qui est très important, c'est qu'il faut que tu desserres ton moulinet juste assez au début, là, quand tu lances ta canne. Quand tu lances ta ligne à l'eau, il faut que ta corde, que ta ligne soit assez dévissée pour pas que ça parte dans le courant, pour que ça puisse garder ton leurre en place. Mais que s'il y a un esturgeon qui mord dessus, qu'il puisse encore se promener avec, puis au pire se sauver avec. Comme ça va pas tout péter ton stock. Ta canne ne partira pas dans les airs jusqu'à dans le fleuve. Tu vas pouvoir travailler puis combattre le poisson. Le but, c'est ça, là. Fait que ce qui s'est passé, il m'a sauvé. Je le combattais. Je serrais le moulinet, je desserrais. J'ai les gars lousses aussi, hein? Mais. Je l'ai pas senti quand tout. Je vais partir. Oh, c'est pas un souci, mais. Oh, il fatigue tout le monde. C'est vraiment, c'est un travail de précision en fait pour être sûr d'avoir la bonne force de traction pour être capable de le ramener et de le fatiguer. Une fois qu'il était rendu au bord, il y avait vraiment plus de jus. Je l'ai pris. C'est vraiment, c'était spécial. Tu sais, là, je te regarde quelqu'un qui a jamais pris d'esturgeon de sa vie. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Tu sais, je sais que c'était quand même imposant. Ça peut être très gros. Ça peut être petit aussi, là. Mais j'avais aucune idée de la texture. Je n'avais jamais vu un proche en fait. Puis, c'est ça, quand je suis allé le chercher sur le bord du fleuve, là, j'ai pas la vidéo parce que j'avais oublié d'apporter mon support à trépied. J'avais filmé quelques séquences, comme tu peux voir, mais c'est ça, j'ai pas pu filmer. Donc, j'ai pris des belles photos à la place. Je pense que ça veut tout dire. Également. Fait que ceci dit, je prends des photos, je regarde de quoi ça a de l'air un peu. C'était quand même, tu sais, c'est un petit esturgeon, puis c'est déjà imposant. Tu sais, ça peut atteindre pas mal plus gros que ça, là, tu sais. Fait que j'ai remis ça à l'eau vu que c'était pas la saison. Puis après ça, ben, j'ai relancé ma ligne à l'eau tout de suite. Puis, ben, 20 minutes après, un autre prise. C'est quoi ça? Un autre esturgeon. Puis là, je comprends pas pourquoi, mais c'était aussi tough de le ramener, mais il tirait moins. Quand il est arrivé au bord, il était un peu sur le dos. Je pense que c'était le même. Peut-être qu'il y a des poissons plus larges que d'autres, mais me semble qu'il avait déjà fait sa course. Là, je pense que c'était le même. Il avait la même taille environ. J'ai essayé de le sortir de l'eau, mais il s'est décroché tout seul puis il est parti. Fait que ça m'a sauvé un peu d'éclaboussures et des étapes en même temps. Fait que cette session de pêche-là, ça s'est passé en dedans de 3 heures. Ça m'a pris 3 heures de pur plaisir. Il y avait du gros vent. Il faisait froid. S'il fait 20 dans ton coin à Québec, sur le bord du fleuve, il risque de faire 12-13. Fait que c'est ça. C'était vraiment une belle sortie de pêche. Il n'y avait pas de stress. Tu sais, les gens à côté de toi, on est tous dans la même équipe. On essaie tous de pogner la même affaire, la plus grosse pépite du fleuve. Si t'es bien équipé, tu dévieras pas de ta trajectoire quand tu lances ta ligne à l'eau. Ça te prend du 4-11 de cale au moins pour que ça bouge pas dans le fond. Et une canne adaptée, faut pas que ça te prenne une canne quand tu vas dans une ziac à la truite là, qui est la 8-10 pouces là, c'est pas ça que ça te prend pas en tout, ça te prend du stuff pas mal plus imposant, tu as moindrement de patience, tu risques d'avoir du fun. Fait que j'espère que t'aimais ça, n'hésite pas à t'abonner si tu veux commenter, si tu veux partager, si t'apprécies le contenu que je fais, puis la saison, je pense qu'elle commence bien. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, on s'en va dans une ziac, moi puis un de mes chums, on va pêcher de la truite à Batiscan Nelson à Saint-Raymond, fait que j'ai bien hâte de voir, fait que... Bye!